Le feu. C'est ça. L'air d'avoir le feu à la fin. Très bien, David. C'est ça. Et maintenant, nous avons vu la réunification de ces quatre éléments constituent donc un ensemble. Et cet ensemble, c'est quoi? C'est un homme. C'est un homme. Les anciens qui ont inventé ça savaient très bien que les quatre éléments sont un homme. Maintenant, on peut demander où est le manger dans le corps. Plein de sang. N'est-ce pas? Le sang assez gros aussi. Où est le minéral, la pierre? Les eaux. N'est-ce pas? Les eaux. C'est même calcaire. Où est-ce qu'il y a l'air? C'est clair. Le poumon, c'est ça. Et le feu, c'est le jeu. Le feu. Non, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme. Et c'est l'amour de l'homme qui parle aussi des quatre. Le feu, c'est l'esprit. Ou bien, même, ça peut être le ciel aussi. Voilà, ça veut dire la vieille humaine, elle a détruit l'ensemble de tous ces éléments. Elle a un dessin normal, elle est donc assassinée. Et bon. Après un moment, Dieu a vu qu'il y a la verdure sur la terre.
Je suis un peu plus de la vie, un peu plus de la vie, un peu plus de la vie.
chien. Les pions l'avaient allé chercher du bois mort dans la forêt. Et ce jour, toutes les filles sont allées dans la forêt avec les lits. Elles ont fait des fagots de bois inconséquents, très conséquents. Et au moment de partir, généralement d'habitude, c'est l'aîné qui charge toutes ses sœurs avant de se charger elle-même. Tout le monde s'apprêtait à partir, et voilà qu'elle sort encore la chanson. Des vieux bataillons, il y a son corps, aéroïque. Des vieux bataillons, il y a son corps, aéroïque. La bonne y a ton rôle, aéroïque. La bonne a donné le nom de son petit ami. Elle a aidé à charger son fagot de bois sur la tête. Elle est partie. Ah. Elle a demandé le nom de chaque fille, et elle les a toutes chargées. Il ne restait plus que elle et Sika. Sika, oya, ton wale. Sika ne répond pas. Pour me changer, je vais partir là. C'est quoi le point? Sika, oya, ton wale. Je n'ai pas ça. Sika, oya, ton wale. Manolé. Chez nous, le monde de la création, le monde qu'on appelle
Okay. On fait très proche de la
Dans la tête de beaucoup, ça va à l'enfance.
On se dit, ben, c'est des tupons. Mais dans le même temps, quand vous fouillez, vous creusez un peu plus, vous découvrirez que le conte, ce n'est pas, ce n'est ni spécifiquement pour les enfants, ni spécifiquement pour les adultes. Le conte parle à tous les âges, et quel que soit le milieu à laquelle la personne appartient. Donc le conte, pour moi, c'est une école. Le conte, c'est une initiation. Le conte, c'est un cheminement. Et le conte, par-dessus tout, c'est une mission pour moi, en tant que conteur. Voilà ce que je peux dire à la fin. Alors, vous allez vous présenter brièvement au public. Et vous allez nous dire, pour le conte, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Bon. Bon, ce que le monde est pour moi, je vais me rendre d'abord finalement. Je suis ici depuis quand vous n'êtes pas encore né, je suis en train de collecter mes contes dans plusieurs ethnies. Maintenant, j'ai collecté à peu près 7000 contes que j'ai notés aussi. Dans toutes les ethnies, et ce que ça me est pour moi, je veux dire, c'est mon travail. Mais je veux dire ce que c'est le conte pour les gens qui écoutent. Le conte, ce n'est pas un amusement. Bien sûr, on peut dire une couche très supérieure du conte, c'est là où on parle un peu des bêtises, de la réalité des bêtises, par exemple, ou bien on dit il y a des choses où il faut rire. Mais le conte même, dans sa profondeur, c'est le mythe, bien vous connaissez ça, le mythe, qui est très très fort pour fondé sur des choses incroyables, pas seulement sur le logo. Après que j'ai collecté un grand nombre de contes, j'ai regardé la relation avec d'autres sciences. Et vous savez, les contes, c'est une richesse. Et non, ce n'est pas seulement un amusement, pas du tout. C'est bien ça aussi. Parce que pourquoi les parties amusantes dans les contes leur assurent que qu'on les raconte encore à d'autres, parce que les gens pensent que c'est amusant. Mais sous ce manteau, on en voit beaucoup de choses intéressantes. On n'a pas une mémoire comme ça, disons qu'il n'y a pas un institut depuis quelques centaines d'années qui note les choses, ce qui s'est passé. Donc il faut regarder les contes et les mythes, de quoi ils parlent. Je me suis adressé surtout à l'archéologie, et l'archéologie parle des choses souvent qu'ils ne savent pas. Exactement, on trouve quelque chose dans la terre, on trouve par exemple une tombe ou bien, je donne comme exemple, on a trouvé en science des crânes. Donc, dans l'ancien temps, les gens ont seulement enterré les crânes, tout le reste du corps, on ne trouve pas mais c'est le crâne. Et ça fait à peu près 30 000, 40 000 ans. C'était autant aussi des Libyens, des Italiens, vous avez entendu. Eux, ils aussi, ils ont enterré les crânes. Aussi, dans l'ancien temps, les Homo sapiens aussi ont enterré des crânes. Et on s'est demandé, c'est quelle sorte de crâne. Il y avait quelques archéologues qui ont dit, ça devait être un culte des dieux. Mais une recherche profonde a découvert que ce sont surtout les crânes des jeunes qui ont été enterrés. Donc, il y a quelque chose de mystérieux. Et j'ai trouvé à peu près 7 contes qui parlent de ce fait. Là, c'était une fille qui est la fille de Dieu, qui est envoyée dans un village où les gens le disent plus Dieu. Et ses camarades l'ont tué finalement.
l'ont tué et sa mère a enterré la fille. Elle a, selon un oiseau, elle a fait ça, elle a coupé la tête et elle a enterré la tête à côté. Donc il y a plusieurs contes qui parlent de ça. Ça veut dire, dans les contes, on parle, c'est les noirs des faits qui se sont passés il y a à peu près 30 ans. Les archéologues aussi ont trouvé au sud de la Turquie, en Anatolie, ils ont trouvé des pierres qui sont placées en rond, aussi au milieu une très longue pierre en forme d'un esprit. Et on se demande qu'est-ce que ça veut dire. J'avais trouvé à peu près 17 contes ou livres qui parlent à peu près de ça. Et ce livre qui s'appelle Le Lé Tépié. Si vous voulez chercher ça dans l'ordinateur, vous trouvez ça sur Le Lé Tépié. Les archéologues sont toujours en train de dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et dans les contes, souvent, dans les livres, on donne des réponses aux choses que les archéologues ne savent pas. C'est très intéressant. On sait. Merci donc. Nous allons évoluer un peu dans le cours du débat. Comme il y a scène, nous, aujourd'hui, peut-on affirmer que le conte a une histoire? Donc, je vais essayer de répondre en rebondissant sur ce que le prieur a dit. Il dit que dans les contes, on trouve des réponses sur des choses historiques que les archéologues n'arrivent même pas à découvrir. Et moi, dans l'un de mes derniers livres, je raconte le conte initial. C'est un conte qui vient du peuple Bassa. Il dit pourquoi chez les Bassa, les gens qu'on appelle les forgerons et les métallurgistes ne sont pas la même chose. C'est-à-dire, pour le faire, on prend de la roche et puis on le fait fondre, on extrait du calibre, le métal. En faisant ça, pour les anciens, c'est de la magie, de la haute magie. À part le minerai qu'on transporte, il y a des gens qui transportent l'objet qui est le métal, le transportent en chose. Chez les Bassa, le camp des disciples, ils transformaient la pierre en fer. Un jour, c'est arrêté de faire ça pour que ce soit juste les autres, les colis et les autres qui transforment ça. Et pour expliquer pourquoi les disciples ne forgent plus, il y a un conte qui dit pourquoi cela est arrivé. Donc, les contes ont un lien avec l'histoire. Mais je vais vous donner maintenant aujourd'hui et vous faire un peu de souvent, les gens disent qu'il y a plus de l'hiver pour raconter les contes. Vous voyez, le soir, quand les gens reviennent du champ, pendant que les femmes préparent les enfants, on les rassemble autour du feu, puis on les instruit. Quelle est la récolte? Donc, on les instruit, on leur dit des contes, on leur dit des contes, et tout ça, ça forme leur imaginaire. Mais avec la modernité, avec la télé, c'est comme si le député et la télé ont suivi le monde. Ça me rappelle un livre qui s'appelle Si le village était compté, qui a été publié dans les années 2010, nous étions en train de penser. Et c'est un ancien ministre de Bago qui, dans son exil au Togo, de l'Aïdo, a trouvé le soir, on se rassemble et nous racontons les contes. Les contes ont voyagé depuis les temps jusqu'à l'heure. En Europe, il y a eu le contraire, il y a eu une césure. Tous les contes ont été perdus avant d'être retrouvés. Nous, on a encore à l'écouter de nos mémoires dans le temps, pour écouter le monde. Et les contes ont de la vie. Les contes sont porteurs d'histoire et les contes ont bien beaucoup de choses à nous apprendre. Marcus, ces conteurs, dites-nous quel temps prend aujourd'hui ce genre d'idée. Est-ce qu'il y a beaucoup de cette formule consacrée d'avant? Parce qu'on disait par exemple, c'est tout, mais il y a beaucoup de cette formule consacrée. Olio, olio, il s'est dit le mot. Ça veut dire que c'est toujours la théorie déjà.
Et le conte a un peu évolué. Le conte traditionnel a quitté son milieu, parce qu'aujourd'hui, on porte le conte sur les scènes. Donc, ça s'improvisait autour du foyer, après le manger comme un certain nombre de l'eau. Maintenant, le conte n'est pas mort. Le conte est très vivant et encore très présent. Peut-être parce que si on n'a pas encore senti comment l'utiliser, comment laisser passer la route. Aujourd'hui, bon, déjà avant, le conte, c'est, si vous le dites, on est là, c'est la fête de tous les âmes. Le conteur qui raconte une histoire à travers sa voix, à travers ses mimiques, on voit les personnages en action. On sent une idée dans laquelle l'histoire est connue. Donc aujourd'hui, ce même conte, à défaut que le conteur soit devant un public, ce même conte est exploité autrement, dans la mesure où on passe à ce que nous appelons aujourd'hui les contes qui sont analysés. Et au Togo, il y a le groupe Sitikomania avec le doyen de Moussangui, qui sont les porteurs de cet art. Au-delà de ça, le conte est traduit aujourd'hui en scénario. En scénario ailleurs, les films que nous voyons, les fictions, etc. Quand vous suivez dans le fond, c'est parti dans le conte, pour la plupart. Et il y a des contes qui sont écrits, des bandes dessinées, etc. Donc, il y a toutes ces formes qui existent aujourd'hui, qui font que le monde continue d'exister. Et quand nous avons encore beaucoup là, le monde, c'est exploité à des fins pour dans les écoles. Moi, j'anime par exemple des animations à l'Institut français pour des enfants qui viennent pour écouter des histoires, des samedis. Donc, ces enfants, on les prépare, on les donne la force, on leur donne des éléments pour qu'ils puissent devenir des hommes sans peur, sans peur, sans peur, traverser beaucoup de situations en imaginant les personnages de l'histoire qu'ils ont vu à l'époque. Donc, le conte, c'est toujours présent et ça, c'est ce qu'on voit plus chez nous. Voilà, merci. Évolution, on n'a pas besoin d'une évolution, on a besoin de chercher le fond de ces choses. Je viens de parler un peu sur les contes gardent les anciennes choses qui se sont passées, je vais donner l'exemple déjà, qui se sont passées il y a des milliers d'années. Comment on peut le savoir? Bon, une fois que j'avais rencontré un vieux pasteur, il m'a dit, si on veut faire la mission, l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de parler de ça. Ça existe déjà dans la tradition. Je trouvais ça très bizarre. Mais vraiment, avec la recherche, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bons pour les mythes qui parlent de l'origine de l'humanité. Souvent, c'est Dieu qui a mis le premier coup sur la terre. Il y a beaucoup à peu près plus de 200 bons livres de la création. Et on pense les choses ressemblent aussi beaucoup à la Bible. Et j'ai trouvé, par exemple, le matricide entre Caïn et Abel, c'est quelques autres histoires qui parlent de ça. On parle aussi, par exemple, de Dieu et des esprits. Si vous regardez dans la Genèse, on parle quelquefois des enfants de Dieu ou bien des anges qui sont appelés à aimer, sont venus pour se marier au fil de la créature que vous connaissez. Donc c'est une sorte de temps qui vient. Après, on parle par exemple de l'origine des arbres. Vous connaissez ça, non? Oui, la tour de Babel. On connaît ça, bien ça dans les contes et dans les livres aussi. Après, souvent, après on parle de la grande pluie qui a ramassé toute la
Je traverse tous les univers.
Parce que quand on prend le compte en gros, je vais prendre le contrôle du bibliothèque. Il y a plusieurs rayons dans cette bibliothèque. Et il y a des comptes pour enfants, des comptes pour adultes, il y a les comptes religieux, il y a les comptes initiatiques, il y a les pourquoi, les mythes, les légendes, etc. En fonction du public qu'on a en face de soi, parce qu'on est dans un temps actuellement où on est plus marqué sur les téléphones, etc., les télévisions. Donc on a été connecté de cette tradition de s'asseoir par un moment pour écouter une seule personne à l'arrivée du moment. Donc il faut pouvoir intéresser le public en face de soi pour que le message puisse passer.